Démarre du premier coup, ou s'il faut le pousser, ou ça m'a jamais fait. Hein. Comme un con, j'avais une vitesse. Si je lâche le frein, ah. Voilà, on peut voir que je recule comme une merde. J'arrive plus à démarrer que le démarreur, ben je suis baisé quoi. Le camion est un mystère. Je ne comprends pas. Encore une fois, le camion il démarrait pas. Bon, je me suis arrêté un petit garage là. Il a testé la batterie. Lui, c'est un vrai mécano et il arrive pas à trouver le démarreur. Salut tout le monde, c'est Captain Nomad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va quitter ce spot et on va aller vers de nouvelles aventures, vers un nouveau spot. J'en ai repéré un qui est pas très très loin, une cinquantaine de kilomètres, qui m'a l'air pas mal. Donc allez, on va prendre la route, hein. Je vais vous filmer un peu la route. Vous vous rappelez dans l'ancienne vidéo, je vous avais dit la mamie là, qui était montée en vélo, je vous avais dit c'était une sacrée côte quand même, j'essaierai vous de filmer. Du coup là, je vais essayer de vous filmer en descendant. Vous allez voir que franchement, c'est assez hard quand même pour une mamie de 80 ans en vélo. Bon, c'est un vélo électrique, mais quand même, c'est même en vélo électrique. Enfin bref. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis voilà quoi. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Et puis à tout de suite. Allez, bisous tout le monde. Merci. Tiens, bon, on va voir s'il démarre du premier coup ou s'il faut le pousser ou. On va voir ça tout de suite. Déjà, je vais chauffer 2-3 fois. Et maintenant, oh putain, vous avez entendu là le bruit qu'il y a eu par contre? Ça m'a jamais fait. Hein. J'espère qu'on l'a entendu en vidéo. Oh non, j'ai plus rien. Oh non. C'est quoi ce bruit chelou qu'il y a eu là? Ça a tout grillé, j'ai l'impression. Vous voyez, quand je vous dis ce camion, j'en ai marre. Parce que franchement, je voulais un vieux camion parce que c'est simple la mécanique. Déjà, j'ai choisi le mauvais parce que moi, il est hyper compliqué. Je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon, vous l'avez déjà vu dans d'anciennes vidéos, mais je vais vous le remontrer. Et là, vous voyez, il me fait des trucs que je comprends pas. Là, quand j'ai voulu démarrer, vous êtes témoin, hein, il y a eu un bruit chelou. J'ai arrêté tous les fusibles. Il n'y a rien qui a pété, rien, machin. J'ai débranché là. Ça, j'avais laissé exprès ouvert le cache parce que j'ai des problèmes de faux contact aussi, bon bref. Et rien, je suis descendu, j'ai regardé, et en fait, les cosses étaient bien fixées, etc. Je les ai desserrées, je les ai refixées. On peut voir, elles sont bien fixées. Elles sont pas serrées non plus au maximum, mais bon. Et là, je remets le contact et ça remarche, donc je comprends pas là, si ça vient de la batterie ou... Putain, j'en ai marre de ce camion. Allez! Oh là là, la grosse fumée là! Oh. Je sais pas si on voit la fumée là. Ouais, je comprends pas ce camion là. Il commence à me péter les couilles. Hein. Ah, ça pue. Je ne comprends pas. Il peut avoir du mal à démarrer là, et puis demain il va démarrer au quart de tour. Je comprends pas. Et vous voyez, ça que je vous avais dit, au niveau de la mécanique, là, j'ai choisi un vieux camion pour que ce soit simple. Et en fait, mon moteur, il est hyper compliqué. Regardez, si je veux juste changer les bougies de préchauffage, il faut aller tout en dessous, là. Et là, le démarreur, il est en dessous. Je ne sais même pas où il est, le démarreur. Il y a tellement de tuyaux et de durite que j'arrive même pas à trouver les pièces, quoi. En plus, j'y connais rien en mécanique. Une fois que je vais quelque part, j'ai peur de rester bloqué maintenant. Donc, à un moment donné... J'ai pas choisi cette vie pour avoir peur de tout, enfin pour serrer les dents à chaque fois. J'ai choisi cette vie pour être libre, donc bon bref. Au moins je voulais de l'aventure, et ben j'en ai. Allez. Zéro bardi. Putain, je suis vraiment un sac à merde aussi. Oh, j'ai fait une connerie là. Enfin, une connerie. J'ai pas filmé parce que c'est au moment où j'ai arrêté de filmer. En fait, je me suis aperçu, vous voyez que là derrière la fenêtre là,
Là, je la laisse ouverte, cette fenêtre là sur le côté. Ça m'aide pour les angles morts. Des fois, je suis à un stop et puis je suis obligé de regarder comme ça. Mais vu que c'est un grand camion, enfin, c'est compliqué dans les camions. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des camions comme ça. Mais on peut pas, on voit pas. Donc du coup, bah, la fenêtre, ça me permet de voir en fait. Et du coup, j'étais parti, j'avais oublié de l'ouvrir. Donc du coup, je me suis arrêté et comme un con, j'avais une vitesse. J'avais la deuxième qui était enclenchée et j'ai calé. Vous allez me dire, c'est pas très grave de caler. Non, c'est pas grave. Sauf que de base, le spot où j'étais derrière, là-bas, j'ai fait exprès de me mettre dans une descente pour que si j'ai un problème de démarreur, je puisse démarrer en roue libre. Et là où je suis, bah, je vous montre. Hein. Voilà, c'est juste là en repartant. Et c'est une montée. Vous voyez là, si je lâche le frein. Ah, oh, non, mais j'ai le frein à main, je suis con. J'en ai marre d'être con comme ça. Là, vous voyez, si je lâche le frein. Voilà, on peut voir que je recule comme une merde. Donc du coup, je me suis dit, si je suis en panne de batterie, que j'arrive plus à démarrer avec le démarreur, ben, je suis baisé, quoi. Je m'étais mis exprès dans une descente pour repartir tranquille et puis voilà, quoi. Et du coup, j'ai redémarré, il a redémarré nickel le camion. Vous voyez ce que je comprends pas. Il a redémarré nickel, au quart de tour. J'ai tourné la clé, ça a démarré, quoi. Donc ce camion est un mystère, je ne comprends pas. Bon allez, on va faire un peu la route ensemble si vous voulez, comme ça je vous montre un peu la route quoi. La route sympatoche. Bah, je vais vous mettre un peu de musique, tiens. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des musiques dans la vidéo. Bon allez, je vous laisse en musique les gens. Encore une fois, le camion il démarrait pas. En fait, je l'ai pris, il a démarré nickel la première fois. Je me suis garé, je suis allé faire 2-3 courses. Après, je l'ai repris, il a redémarré nickel. Et là, je viens de me garer et j'étais pas très bien garé. Donc, j'ai voulu le redémarrer pour me regarer mieux que ça. Et il démarrait pas, impossible. Donc, j'arrive pas à trouver le démarreur. Je sais pas où il est. Si quelqu'un connaît ce moteur, j'arrive pas. À mon avis, il doit être tout en dessous, mais je le vois pas. Et du coup, ce que j'ai fait, donc impossible de le démarrer. Donc, j'ai mis le booster. Il a démarré du premier coup, donc je sais pas si quelqu'un peut me dire donc si ça vient bien du démarreur à mon avis ou de la batterie, mais la batterie je vois pas pourquoi je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça vient bien du démarreur s'il vous plaît, merci. Bon là on est le lendemain de la séquence que vous venez de voir là où j'ai réussi à le démarrer avec le booster. Alors il y en a qui vont pas comprendre parce qu'ils vont me dire et c'est normal hein, ils vont me dire mais on arrête pas de, on te l'a dit dans les anciennes vidéos mais t'as toujours pas réglé le problème. Le truc, c'est que là, en ce moment, les vidéos sont un peu décalées. C'est-à-dire que c'est pas au jour le jour. Là, à l'heure où je vous parle, vous avez sûrement vu donc, l'ancienne vidéo. Mais là, je suis en train de tourner une nouvelle, du coup. Je sais pas si j'arrive pas à m'expliquer, mais bah, vous avez compris, quoi. Donc, du coup, là, j'ai eu des petites réponses en commentaire. On m'a dit que ça pouvait être le solénoïde ou alors le démarreur ou la batterie. Ou je sais plus quoi, sur le Komodo, ou je sais plus ce qu'on m'a dit, enfin, je re-regarde les commentaires.
Et du coup, je vais prendre rendez-vous dans un garage pour faire tester, ou je vais essayer d'appeler un mécano pas loin, ou je sais pas, je vais voir, je vais me débrouiller. Mais là, en attendant, du coup, je vais essayer de démarrer. Donc là, c'est vraiment le lendemain, il est froid le camion. Donc là, je préchauffe. Voilà, hop. J'ai repréchauffé deux fois. Et là, on va voir. Une petite troisième fois. Démarrer au quart de tour. Au quart de tour. Je vous pose la question. Donc, enfin, là, vu que je suis en décalage, vous allez me répondre. Et ce ne sera pas avant, dans à peu près dans une semaine, une semaine et demie, que vous verrez la vidéo par rapport à ce que je parle actuellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, on est le 12 janvier. Donc, la vidéo, celle-là, va sortir sûrement peut-être le 20 ou le 22. Enfin, je ne sais pas, on verra. D'ici là, je pense que j'aurai résolu le problème. Ou alors, j'en saurai plus parce que j'aurai pris rendez-vous chez le mécano. Ou est-ce que je veux dire? Mais je préfère quand même vous demander pour avoir plein d'avis différents. Donc vous voyez, là, je ne l'ai pas démarré depuis hier, et là, il démarre au quart de tour. Je l'ai préchauffé deux fois, trois fois, il démarre au quart de tour. Là, à tout moment, je l'arrête, il peut ne pas redémarrer. Là, il faut que j'aille faire une course, vous allez acheter du Sikaflex pour le toit. Donc là, je vais m'arrêter sur le parking, et on verra si je redémarre. Je vous filme ça dès que je redémarre du parking, et on verra. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des fois où il démarre au quart de tour, et puis après, il peut ne pas démarrer du tout, quoi. Donc, je comprends pas trop. Enfin bon, j'espère que ça va, c'est pas très grave. Voilà. Allez, bon, du coup, on va voir. Je viens de remettre le contact, je vais refaire chauffer. Je ferai un an, voilà. Il a démarré au quart de tour, encore une fois. Il n'y a aucune fumée qui s'échappe. Je comprends pas. Alors qu'il est froid, hein. On peut le voir, hein, regardez. Hein. Je comprends pas. Et là, je vous dis, je vais m'arrêter. Ça se trouve, je vais m'arrêter la prochaine fois que je m'arrête. Là, je vais essayer de redémarrer, et puis il va plus démarrer. Donc, je comprends pas. Si c'était la batterie, en fait, ça me le ferait à chaque fois, parce que la batterie se recharge pas. Je comprends pas. Franchement, là, c'est un mystère. Il a démarré au quart de tour, quoi. Dans l'ancienne vidéo, vous avez vu aussi, quand il a démarré, il avait galéré, hein. Il y avait la grosse fumée là, que ça puait. J'ai pas compris. Je comprends pas, franchement. Si quelqu'un vraiment pense savoir ce que c'est, je veux bien de l'aide, quoi. Parce que là, franchement, moi, c'est un mystère. Bon, allez, je vous reprends, les gens. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais bon. Allez, bisous. Bon, je me suis arrêté un petit garage là, qu'il y avait au bord de la route, et il m'a dit qu'il a testé la batterie avec un voltmètre, mais spécial, où il y a carrément un écran pour dire s'il faut remplacer ou pas. Sur 650 ampères, j'en ai que 470, je crois. Donc, et c'était marqué sur l'écran à remplacer. Donc il m'a dit qu'il faut remplacer la batterie dans un premier temps pour éliminer la panne, quoi. Donc à voir. Et démarreur, il ne le trouve pas. Donc lui, c'est un vrai mécano, et il n'arrive pas à trouver le démarreur, hein, pour vous dire à quel point c'est compliqué sur ce moteur-là, quoi. Donc affaire à suivre, les gars. Je vous tiens au courant. Bon, du coup, il a trouvé le démarreur, il a galéré, hein. Pour vous dire à quel point mon moteur, en fait, il est chiant. Franchement, je vous le dis, ceux qui veulent acheter un van aménagé, n'achetez pas un Citroën Jumper de 95, parce que franchement, j'ai des petits problèmes, mais c'est pas des problèmes qui sont très graves. Donc franchement, le moteur, il est quand même costaud, mais par contre, il est inaccessible, quoi. La moindre pièce, c'est inaccessible. Pour changer des bougies, il faut tout démonter. Pour là, le démarreur, il est tout en dessous, sous un cache, etc. Il m'a dit on peut l'atteindre par le dessous du camion, à la limite, c'est plus facile. Donc faut le lever, etc. Bref, mais pour vous dire, quoi, il a galéré à trouver le démarreur alors que c'est un garagiste, hein. Et en plus, c'était un monsieur d'un certain âge, je pense qu'il devait largement de quoi être à la retraite. Donc je pense qu'il s'y connaît, il a du métier derrière lui. Et en plus de ça, du coup, vu que vu son âge, ça doit être de la vieille école, quoi, entre guillemets. Il doit connaître les vieux moteurs comme ça. C'est sur ça qu'il a connu, donc qu'il a appris à travailler. Donc s'il a galéré lui à trouver le démarreur, j'étais pas prêt de le trouver, moi. En plus, il est sous un cache, quoi. Donc c'est à dire que je l'aurais jamais trouvé, en fait. Donc voilà, il m'a dit changer la batterie pour l'instant parce qu'elle est faible, et puis ça éliminera une panne déjà, et puis on verra, quoi, hein, on verra. Donc voilà, j'ai toujours pas trop de réponses. J'ai parlé aussi, j'ai mon, vous savez, quand je tourne des fois, j'ai un bruit de claquement. Donc ça, je pense que c'est le soufflet ou le cardan. Donc évidemment, c'est pas pareil, ça a pas le même prix, ça a pas le même coût. Et je lui ai dit là, j'ai plus de claquement. Par contre, quand je tourne à droite, là, depuis que je suis ressorti du spot de la dernière vidéo, là, que je suis reparti, là, où il y avait la petite musique, vous savez, dans les routes de montagne, là, que j'ai fait, il y avait un bruit de frottement. En fait, quand je tournais, que quand je tourne à droite,
J'ai un bruit de frottement. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est comme si la roue frottait la carrosserie ou un bout de ou le pare-choc. Vous voyez ce que je veux dire? En tournant à droite, en fait, il y avait un bruit de frottement, quoi. Ça fait. Hop, et dès que je remets la roue droite, ça le fait plus. Donc, est-ce que ça touche vraiment un bout de caoutchouc, enfin de carrosserie ou quoi? Mais je vois pas pourquoi, parce que j'ai pas eu de choc. Là, si j'avais eu un accident, à la limite, je me dis, bon, bah, ça a déformé la carrosserie et puis ça touche le pneu, donc il n'y a pas de souci, mais j'ai pas eu de choc. Donc, ça peut pas être ça. Donc, du coup, est-ce que c'est parce qu'il y a plus de graisse dans le soufflet? Et bah, du coup, les pièces entre elles, bah, elles grincent, quoi, elles se frottent entre elles, je sais pas. Donc, c'est ça le truc, c'est que j'ai plein, 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 plein de soucis, en fait. C'est des petits soucis qui sont pas graves, mais ce qui m'énerve, c'est de pas savoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la batterie, je vais la changer. Ça va me coûter encore 100 balles. Si c'est pas ça, je fais quoi? Bah, j'ai changé la batterie pour rien. Bon, de toute façon, dans tous les cas, il faudra la changer parce qu'elle est faible. Donc, ça, à la limite, c'est un investissement. Enfin, il faudra la changer. Il m'a dit qu'elle était faible. Mais si je change la batterie, que c'est pas ça, je vais changer le démarreur. Le démarreur, si c'est pas ça, c'est le solénoïde. C'est pas le solénoïde, c'est quoi? Enfin, c'est compliqué. Là, l'histoire de la direction, je commence à m'inquiéter parce que ça grince quand même beaucoup. Donc, va falloir que je m'en occupe aussi. Qu'est-ce que ça va être? Combien ça va me coûter? C'est fatigant en fait. Franchement, la vie nomade, c'est fatigant quoi. C'est vraiment. En fait, il nous arrive plein de merde tout le temps quoi. Faut faire face à tout. Il fait un peu frais, hein. Là, franchement, il est quoi? Il est quelle heure là? Il est midi 6. Il fait 6 degrés. 6 degrés. 6 degrés. Donc, voilà. Il fait un petit peu frais quand même, j'ai envie de vous dire, mais bon. On va changer de spot là. On va aller tranquillement. J'ai vu un autre spot qui est pas mal. Du coup, on va y aller tranquillou-bilou. Donc là, j'ai vidé toute mon armoire de vêtements et j'ai tout emmené. Bah, c'est derrière là. J'ai tout emmené au lavage là, c'est en train de tourner. Donc je suis sur le parking. Bon, bah voilà, j'ai rien d'autre à faire. Donc je vais faire un peu de montage. Une fois que les habits seront bien tous lavés, je vais faire le sèche-linge aussi. Normalement, je le fais pas, mais là, avec tout ce que j'ai, je vais pas faire sécher dehors sur le camion quoi. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà quoi. Voilà. Allez, bisous tout le monde, à plus. Bon, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je suis désolé, il s'est pas passé grand-chose, hein, mais là c'était vraiment axé sur la mécanique. Je me suis concentré, je suis allé voir donc le garagiste comme vous avez vu. Depuis qu'il m'a resserré la batterie, j'ai plus de problème. Après bon, j'étais sur un spot là, j'ai pas trop bougé. J'étais en ville parce que je travaillais à côté. J'ai trouvé un petit boulot en serveur. Du coup, j'ai pas trop filmé ces derniers temps parce que bah, je bossais en fait en extra. Et puis j'étais sur un parking, enfin j'étais en ville quoi, donc rien d'intéressant à filmer. Et en plus, moi j'aime pas filmer quand il y a des gens à côté. Je veux dire, je peux très bien filmer en promenant Hulky et vous faire une vidéo, mais en ville comme ça avec les gens qui me regardent autour, j'aime pas, je suis pas à l'aise. J'aime pas me parler comme ça avec le téléphone, ouais, salut machin, je suis pas trop à l'aise. Et de toute façon, il y avait rien d'intéressant donc. Bonne nouvelle, c'est que bon, j'ai du boulot, donc ça me fait gagner un peu d'argent. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et oui, le camion, du coup, bah, depuis qu'il m'a resserré la batterie, ça bug pas. Donc, elle est quand même faible, des fois. Là, en plus, il commence à faire. En plus, là, il fait bien froid en ce moment, donc elle est faible. Bon, je sais pas si vous vous rappelez dans la séquence, hein, c'était marqué. Enfin, j'avais pas filmé parce que j'avais pas filmé le garagiste comme ça, mais. Il avait un appareil, c'est un multimètre, mais avec un écran digital, et c'était carrément. C'était marqué noir sur blanc ce qu'il fallait faire, donc au moins on peut pas se tromper quoi. Et du coup, il avait pris les paramètres de la batterie, il avait vu que c'était une 670 ampères ou je sais plus combien. Et là, quand il a pris le voltmètre, elle était à 475 ampères, donc du coup, c'était marqué à remplacer. Donc la batterie est un peu faible et il faut la remplacer, mais elle n'est pas complètement morte non plus. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, avec tous les petits problèmes que j'ai sur le camion, c'est pas que je veux pas le réparer, c'est que j'ai pas l'argent en fait. La batterie c'est 100 euros, il faut que je fasse réviser aussi la direction, je préfère faire ça, je pense que c'est plus important. Donc je vais ramener dans un garage juste pour qu'il regarde pourquoi ça grince comme ça, parce que ça je pense que c'est plus important que le démarreur, enfin que la batterie. La batterie elle est juste un peu faible, mais elle marche encore, donc elle est pas complètement morte. Et dans tous les cas, même si je démarre pas, bah, j'essaierai de me mettre toujours dans une côte pour redescendre en roue libre, quoi, enfin en frein moteur, enfin vous avez compris quoi. Je descends et je mets la deuxième et je démarre comme ça. Et j'ai mon chargeur de batterie aussi que bah, vous avez déjà vu là, le booster de batterie qu'on branche directement dessus avec les pinces et avec ça le camion démarre nickel. Donc
Pour l'instant, la batterie, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la direction. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Même si c'est pas passé grand-chose, hein, je suis désolé. Là, je travaille, donc les spots, c'est pas les meilleurs spots qu'on peut voir. Mais dans pas longtemps, je retournerai un petit peu. Je retournerai dans la nature, quoi. Sauvage. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Hein, je vous le redis, c'est hyper important. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like dans les vidéos, un petit commentaire. Puis voilà quoi. Je vous fais des bisous. Peace and love. Prenez soin de vous. Rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao, c'était Captain Nomade.